Je sens que ça a chauffé à l'estang. Yeah, c'était vraiment chaud, hein. Voilà, chers téléspectateurs, vous le constatez, l'ambiance est à son paroxysme ici sur le plateau. Eh bien, hier, on a célébré les 33 ans de disparition de cette légende. On va dire, Bob Marley nous a quittés, certes, mais il demeure tout de même le symbole vivant du reggae dans le monde. Et cette cérémonie, on va dire, cette fête mondiale a été célébrée du côté de l'Estanguet. Vous aurez l'occasion de le constater dans quelques instants. Déjà, vous en avez un bref aperçu. Et puis juste après la rubrique Le Temps du Rire, nous recevrons M. Béranger Boy, avec qui nous parlerons d'Internet. Mesdames et messieurs, nos invités sont dans le couloir, certainement nombreux à venir parler de leurs différentes activités socio-culturelles. Sur ce, on part pour du reggae, bien sûr, pourquoi pas. On se retrouve dans quelques instants. Téléspectateurs, vous êtes à midi chez nous. Alors, des Perpignan, on va vous demander aujourd'hui pour la circonstance, tu t'appelles Dja Walier des Pères. Voilà, Dja Walier a fait des Pères. Le plus grand baoulé de sa génération. Alors, qu'est-ce qui va se passer par rapport à la chanson qu'on vient d'entendre? Alors,
Qu'est-ce qu'il disait Ras Goody Brown? Qu'est-ce qu'il disait dans la chanson? Le fils de Jah, il y a des gens qui avaient dit ça. C'est que les Baoulés, ils sont là. Mais les Français, les Blancs surtout, et on nous en... Non, non, des Perpignan, tu vas pas nous faire ça, la traduction. Yeah. Bon, quand on entend Befelio, voilà, Befelio, ça veut dire nous sommes fatigués, c'est ils ça? Ils étaient fatigués. Les travaux forcés, et que le coton, quand ça n'a pas fait couillaille, le Blanc, il ne peut pas venir. Il y a des gars qui disent ça. Et que si le coton n'est pas encore fait couillaille, donc ils nous ont fatigués, ils nous ont fait faire des travaux façon façon. Donc c'est pourquoi nous, les Rastafari, il y a des gars qui parlent à ça. Ce qui est extraordinaire, c'est que dans la traduction en français, tu viens du baoulé dedans. Alors, pour ceux qui ne sont pas baoulés, comment ils vont comprendre? Ils sont obligés. Ils sont obligés parce que bon malé lui-même, c'est un baoulé. Bon, Iwali est malé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un enfant qui est bon. Son père était bon, donc Iwali est fait malé. Bladé, ça veut dire viens prendre. Je me retrouve donc avec des éléments incontrôlables. Oh yeah. Jah Pras Korokoroni. Yeah. Alias Philo. Jah Walier des Pères. Voilà, le plus grand baoulé de sa génération. Et puis Jah Peter la Flamme. Franchement, ça se voit. Il est où ton Alors, dites-nous tout. Comment ça s'est passé hier? Comment vous avez vécu, on va dire, ce 33e anniversaire de la disparition de Bob Marley à l'Estangué? À l'Estangué, il y a le baoulé qui est le rasta de l'Estangué. Le rasta de l'Estangué. Voilà. Donc c'est Jah, Prince Kroone, Philo, Mais je veux dire, quel est votre rapport avec le reggae, avec Bob Marley même? Je veux dire, qu'est-ce qui vous amène chaque année à célébrer la disparition de Bob Marley? Bob Marley, c'est le diamant, c'est notre Dieu vivant. Voilà. Bah, moi-même... Mon grand-père, moi, ça fait 3 ans. On l'a oublié. Oh, bon, allez, que moi, ça fait 33 ans. On est là, je suis désolé. Voilà, donc c'est pour dire que, allez là, c'est lui ou rien, quoi. Puis, c'est moi, il était raciste. Il ne sait pas comment dire. En tout cas, il parlait beaucoup de race, quoi. Voilà, il est raciste. Voilà. Il a vécu dans le ghetto comme nous les Nyamolo, C'est bon, moi, mais avant dans son vivant, il a fait tout à bout. Ben, c'est que ça, récupération. Mais le soir est chaud, le soir est béda. Sun up, Yaman Yaba. Alors, monsieur Jah Walier des Pères, ben on sait que vous êtes franco-baoulé. Qu'est-ce qui vous amène à célébrer la mort de Bob Marley? Alors, Bob Marley n'est pas mort, Wawuma. Ouais, je l'ai vu hier. Ah bon? Oui, quand il a été. En rêve? En rêve, bon, on dirait un peu. Mais je l'ai vu. Et comme Jah Rastafari, lui-même, il a dit ça. C'est ça qu'on appelle le Yassé Lassé. Il a dit ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut mettre la main si elle met Lassé là-bas. C'est ça qui est Yassé Lassé. Et Bob Marley lui-même, qui est Bob Marley, qui est le lion. Nous, on est le lion de la tribu de Toumoudi. Jah Rastafari. Et donc, on est venu. On était à l'Estangué, on a fêté Bob Marley parce que Bob Marley s'appelle Kofi.
C'est un jeune barbier qui fait Kofi. Moi, je pas marié. Donc, il dit Patrick. C'est pas Robert Nesta Marley. Hein. Non, Robert Nesta Marley. C'est Robert, Kofi. C'est son reste qui est Marley. Donc, Robert, qui était son grand-père, qui a été resté et qui est Marley. Donc, on dit qu'il va dire, Patrick, il va dire, les noms. Yeah! Oh, tchao! Tout à pied, Père. Tiens, man. Non, non, man, yo, quoi. On va aller, viens, tout le monde. On va aller, maman. Ouais, là. Yeah, man. Yeah. Stand up, stand up. Attention, c'est pas. C'est bon, va te dire. Oh, combien de bien. Apparemment, vous connaissez tout le répertoire de l'artiste. Tout, tout depuis l'année. Yeah, yeah. Depuis l'année, le dernier là. Depuis l'année, on connaît. Yeah, stand up, stand up. Alors, monsieur Peter, Ja Peter la flamme. Comment vous avez vécu cela? I'm come from Estangi North now. But today you are beautiful now. Can you speak French? Oh no, I speak breaking French. Voilà. En fait, je comprends pas bien la français. Yeah, you know, j'ai dit Alpha. À quand Alpha est venu, you know? Ou bien ce qu'on va faire, tu parles anglais et puis l'autre il traduit. Voilà, you speak English. Still me or Alpha come from in Estangé. Il dit que Alpha est venu à l'Estangé. Yeah, yeah. So, elle dit de say, or why say, you know, enemy? Oh yes. Ah. Et est-ce que tu n'as pas déjà arrivé? Ja, est-ce qu'Alpha l'a demandé? Est-ce que le boro déjà mort? Yeah. Oh. Yeah. One told any left-handed mortal, I look at Petit Denis. I'm very happy not in Rastafari for the people. Ouais, il est trop boro déjà de voir Petit Denis. Mais Petit Denis, il est quoi à voir dans l'histoire? Yeah. Ah, il est venu célébrer avec vous. Yeah. Le bâton encore dans Petit Denis. Oh, le mal est de sing. Look at me, Zuglo, no better here. How about I'm Anthony Manscobe? Yeah, man. Yeah, voilà, là, il était étonné. Il a vu Petit Denis, j'étais étonné. Je me rappelle maintenant. Yeah. Ouais, il était étonné. Yeah. Et bien, coupé décalement, bien, bar, you know, coupé décalement, here. Il nous montre réellement ma soeur à couper des carrés. Alors, ça a remis. On a plus peur de quoi. Yeah. Speak. Yeah. J'espère que vous allez réussir à traduire. Comme un peu de débrouille. Alors, ça, on se débrouille. Yeah, comme ça, bon, I speak breaking the French. Débrouille. Dans l'Estangé, j'ai vu des coupés décalés, des man quoi. Okay. Ils étaient là, voilà, ils étaient là. Et puis ils ont commencé à chanter coupé décalé, coupé. Bon, moi je ne comprenais pas quoi. Il a dit, ah, vous êtes coupé décalé, puis vous êtes dans Villa Rasta. Mais c'est la même quoi. Maintenant, après, ils ont tapé le crâne, ils ont compris. D'accord. Voilà, on va conclure. Alors. Monsieur Jack Pras Crocroni, qu'est-ce qu'on retient donc de cette célébration? Adouanou, c'est un boro d'Angéman, à l'écran, c'est RT1, c'est le moment de l'estanguer pour vous faire le point. Voilà, nous on est venus, c'est dans les plus Prasia, dans les Weasia. Voilà mon frère Saint, Peter, Ja, La Flamme, qui est un peu anglophone, voilà, qui a en tout cas essayé de faire violence sur lui-même pour atteindre les morts. Mais là, le Baoulé, là, ça veut dire que le moment où Rasta, il n'y a pas fait des tirs dedans, la même chose, c'est même boro. Mais tout est-il que le mouvement avance. Ja! Rasta! Merci beaucoup. Non. Mais moi, je connais même pas la route de l'Estangué. Je sais pas par où on passe pour aller à l'Estangué. Donc, vous comprenez. L'année prochaine, je vais me préparer. Jack Pras Kankoni. Ja Wali Deper. Ja Peter La Flamme. Qui sont venus nous faire donc le compte rendu de la célébration de la disparition de Bob Marley. Donc c'était le spécial mémorial de Bob Marley à l'Estangué. On va se séparer. Hein. On vous retrouve dans la deuxième partie du temps du rire. Mais pendant ce temps, il va falloir qu'on se sépare avec une belle mélodie de Bob Marley. Pourquoi pas. People, it's a dust, oh yeah, movement of the people,
voilà, de retour sur le plateau de Midi chez nous. Nous sommes dans la deuxième partie du temps du rire. Eh bien, nos humoristes sont avec nous. Didier Laflamme, Docteur Philo et des Perpignan. Alors, Docteur Philo, bonjour. Ouais, bonjour. Ah, tout à l'heure, c'était chaud, hein, vous n'étiez pas là. On était en compagnie de Rastafari qui nous venait tout droit de l'Estanguet. Ah, ben, c'était grave. Ils ont fait le show sur le plateau. C'est à peine même si on m'entendait. Mais ils avaient des droïdes propres. Ils avaient des droïdes. C'était propre, c'était pas jaune au bout. Ils ont vraiment cassé la baraque. C'était pas jaune. Vous n'avez pas porté des casse-nez. Non. Ah, parce que eux, là, quand ils viennent quelque part là-bas, ils ont cassé la baraque. Ils ont donné encore du boulot à M. Tano de refaire la baraque. Alors. De refaire la baraque. Parce que la baraque a été cassée. Ah bon. On va partir avec Docteur Philo pour sa chronique. Oui, les nous. Il n'y a plus de guitare. Non. Tu as dit même sans la guitare, il a. Ok, la chronique aujourd'hui, les informations sont d'autant plus relaxantes et imperturbables. Donc, ne perdons pas de temps rapidement, tout de suite, direction sud de Trècheville. Il y a un vieux Benguiste, c'est-à-dire il a passé 20 ans en France. Et puis il vient en Côte d'Ivoire, il tombe malade. Les noms. Il va au CHU et puis le médecin lui demande « Eh ben monsieur, vous êtes malade, ça va pas, expliquez-nous pour qu'on puisse voir comment on peut vous soigner. » Et puis le médecin lui demande « Vous avez la toux, est-ce que vous toussez ?» Il dit « Ben dis donc, vous connaissez la Benguiste ?» Il dit « Ben dis donc, moi je tousse, j'ai une toux de chien. » Mais est-ce que tu arrives à manger, est-ce que tu as l'appétit ?» Il dit « Ben je mange comme une vache moi. » Il dit « Bon ok, ça va, mais dites-moi, est-ce que vous êtes marié ?» Il dit « Ben tranquille, moi je suis marié. » Ça, c'est la logique, ça. Ma femme et moi, nous nous aimons comme deux pigeons. Le médecin dit, bon, d'accord, mon frère, ici, nous, on soigne les hommes, il faut aller voir un vétérinaire. Allez, tout ça, là. Là, nous. À Yopougon, Jesco, dans une baraque, vous savez que le gbélé et le koutougou, c'est la seule boisson où on peut faire promotion, publicité, et puis tu ne payes pas. Ah, toi-même, quelque chose, on fait la publicité sur une chaîne de télévision, et puis tu ne payes pas, tu peux, il faut arrêter. Vas-y, comprendre que ce n'est pas bon. C'est pour dire que la consommation du gbélé, du koutoukou excessif, c'est pas bon. C'est comme ça, il y a deux personnes, ils étaient dans le gbélédrome du cabaret, ils étaient en train de causer. Puis un qui dit, Joe, comment tu vas? Tu te sens, tu es un peu pâle, tout ça. Il dit, ça va pas, hein, depuis hier nuit là, j'ai l'impression que mon cœur vibre. Son ami dit, tu sais, là-bas, là, on se donne pas bon conseil. Il dit, je comprends, je vois. C'est la mort qui te bip. Il faut découcher. On finit ces unités. On continue les informations. Les nous. SOS. Actuellement où je vous parle, il y a un mendiant qui est sur l'autoroute du Nord. C'est un appel que je lance aux personnes de bonne volonté. Un mendiant est sur l'autoroute du Nord. Il ne sait pas comment il va faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est hier aux environs de 18h. C'est vrai qu'il y a parlé de 18h. Les apprentis bac à Djamé, c'est leur heure de pointe. Et puis l'apprenti est en train de faire son baïma. Yo bougon. Et puis le mendiant arrive là. Non seulement il est mendiant, il bègue en plus. Il a la pratique. Il veut dire que c'est le mendiant quand il mendie, il dit fils Sabili là. Et il bègue en plus. Il dit fif, la prendre, oh, figaro monté, il a jeté le vieux. Il a jeté le vieux dans le baka. Là nous. C'est arrivé sur l'autoroute, il demande le vieux. Encaissement. Ouais, devant derrière, monsieur malade, devant derrière. Le vieux faut donc jeter ton monnaie. Le vieux dit, ah. Tu peux faire gaffe au fils Abili là, toi tu m'as dit figaro, tu m'as mis dans quoi? L'apprenti a fait descendre le vieux sur l'autoroute. Actuellement il est assis. Pardonnez, même les voitures de dépannage, les sociétés de dépannage là. Pardonnez, allez-y, tirez le mendiant là pour l'enlever sur l'autoroute. Mais comme mendiant chôme jamais, il a fait son appartement pour le moment. En tout cas, il raquette là-bas. Là, nous. Une note de l'éducation nationale à présent. Dans un village vraiment, un petit de 11 ans, en classe de CM1, un petit Yakuba. Le maître lui demande, toi, petit nyonke Albert, un chacal d'air complète. Le petit Yakuba a arrêté de faire ça. Adia, chacal à nous d'air, maître Adia. On dit un chacal d'air, il n'a pas de parler dans ta langue. Le petit fait ça. Monsieur, quand je vais au champ avec mon papa à la chasse là, chacal là, on voit toujours un, on n'a jamais vu deux. Si on voyait plusieurs, je pourrais trouver le nom. Là nous. On va terminer par un fait de société. Voilà un dragueur. Si tu es obligé pour draguer là, tu es obligé de mentir ou bien? Bon, d'ailleurs, il y a des filles qui aiment beaucoup ça. Il y a que ça. Donc, il va, quand il va draguer la fille, chaque fois, ça veut dire, il dit à la fille que lui, il est en classe de terminale et que lui, il va passer le bac alors que Babrou, rien. Zéro à la base. Il va pas à l'école. Donc, quand il va, il prend Mamadou et Binetta. Il met dans sa poche arrière. Et puis, il a toujours deux ou trois stylos. Il accroche ici. La fille aussi, elle est là. Elle s'est dit, mon pointeur là. C'est un élève de terminal. Peut-être quand il va avoir bac, on va aller ensemble. Maintenant, quand les compositions de bac là sont finies, maintenant, là, il est allé chez la fille. Puis la fille lui dit, chérie,
Mais tu m'as même pas fait le point, les compositions du bac sont finies. Comment ça s'est passé? En mathématiques? Il dit non! Mathématiques, là, j'ai cogné ça même, j'ai fini ça en 15 minutes. J'imagine. Hein? La fille dit, mais en philosophie. Il dit non, philo, c'est 4 heures, moi, j'ai fini ça en 3 minutes seulement. Mm-hmm. La fille dit, ben dis donc, tu es fort. Hein? Félicitations. Il dit, ah, félicitations, là, je ne suis pas trop fort dedans. Hein. Je ne suis pas trop fort dans la félicitation. Moi, mais je n'ai pas pu finir, j'ai rendu ma copie comme ça. La loi! C'est là les informations. Yeah! 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 Non, non, ce monsieur, là, il ça, est. C'est le générique fait. Hein. Ouais, c'est le générique fait. Mais quand il parle. Vous savez, il dit que Koudoukou Belé, c'est des trucs. Moi, j'ai trop. Même. Moi, j'ai écrit une chanson pour Eric Patron. Mm. Ah bon? Oui, sur le Koudoukou. Koudoukou, t'es seul. Sans faire de bruit, elle aille. Ah bon? À ton réveil, tout le monde est parti. Yelai, c'est ça sa force tranquille. Alors comprendre, celui qui ne le voit pas, il comprendra que il peut pas boire d'air. Vraiment le pays a dit. Même quand tu n'as, non mais c'est ça. Quand tu si ta peau ne charge que d'une seule pièce, de 500 francs sur soutien. C'est que tu es sûr de ne pas rater tes amis au maquis. Sinon, c'est Koudoukou qui va pas te lever. Non, l'album va sortir bientôt. Merci beaucoup, Dépère Fignon. Didier Lacroix, très rapidement, on termine. Qu'est-ce qu'il a? Il a mangé assez du. Il a mis du huile rouge matin là. C'est pas ça. À l'extérieur, quand tu vois quelqu'un éternuer comme ça là, c'est que c'est quelqu'un qui aime fouler ses narines, son nez dans l'affaire des gens. Tu sais pas ce qu'il a fait là. C'est bizarre. Ton nez est dedans. Ça, c'est Djungle qui fait ça. Djungle fait ça. C'est les vieilles affaires. Il y a poussière dedans. Les anciennes affaires passées. Alors, mais tu dis, faut venir ici, viens ici. Faut venir. Les patrons de l'extérieur, demain, sont compliqués. On a un employé, il allait voir son patron, il dit patron, désolé. Je veux rendre ma démission aujourd'hui. Son patron dit non, 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 désolé, tu ne pourras pas rendre ta démission parce que tu es viré. Déon. Il y a trop de choses à l'estanguer. Merci beaucoup, Didier Laflamme, Docteur Philo de Perpignan. Il y a vraiment trop de choses à l'estanguer. Eh bien, si vous voulez avoir les nouvelles de l'estanguer, c'est le 09 53 69 39. Le standard. 09 53 69 39. Maintenant, le privé. Mais ne me demandez pas comment ça se passe là-bas parce que je n'y ai jamais mis les pieds. Ah bon, On va vous accompagner avec un clip vidéo signé Les Chefs d'Israël. Ah, et à Jeff là-bas. Jean-Marc l'arrangeur du Saint-Esprit, le professeur, révérend Honora Kojo, Jésus te laissera jamais tomber. Ouais, ouais. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Maman Sophie, il ne m'a jamais laissé tomber. Eric Baléo, il ne m'a jamais laissé tomber. Tomber, Jésus m'a jamais laissé tomber. La vieille mère Martine Fred. Oh maman Clarisse, oh, est-ce qu'un jour Jésus t'a laissé tomber? Jamais. Dis-moi, oh Marie Justino, est-ce qu'un jour ton Dieu t'a laissé tomber? Jamais. Dis-moi, oh Anissa Fantané, est-ce qu'un jour Jésus t'a laissé tomber? Jamais. Dis-moi, oh maman Baudilis, est-ce qu'un jour Jésus t'a laissé tomber? Jamais. Il ne m'a jamais laissé tomber. Son Dieu, il ne m'a jamais laissé tomber. Mon que tu vois, il ne m'a jamais laissé tomber. Tomber les yeux, Jésus m'a jamais laissé tomber. Dis-moi, Médée Danielo, est-ce qu'un jour Jésus t'a laissé tomber? Jamais. Dis-moi, est-ce qu'au Jérôme, est-ce qu'un jour ton Dieu t'a laissé tomber? Jamais. Il ne m'a jamais laissé tomber. Maman Ishao, il ne m'a jamais laissé tomber. Elle t'inquiète, il ne m'a jamais laissé tomber. Tomber les yeux, Jésus m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Pasteur Mario, il ne m'a jamais laissé tomber. Bébé Zafo, il ne m'a jamais laissé tomber. Tomber les yeux, Jésus m'a jamais laissé tomber. Ils se sont levés. Ils disent dans ta famille, personne ne va voyager. Oh. Ils ont dit, tu vas voyager? Moi, tu vas jamais voyager.
Je vais voyager. Je te dis, tu vas voyager. Faut écrire à ton cahier. Je vais voyager devant toi. Je vais voyager. Je suis pas concerné. Je vais voyager au nom de Jésus. Les sorciers, ils sont dans ta famille. Personne ne va se marier. Mais je ne suis pas concerné. Je ne suis pas concerné. Non, je ne suis pas concerné. Je ne suis pas concerné. Ah, je ne suis pas concerné. 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 Ils se sont levés. Ils disent dans ta famille, personne ne va prospérer. Ils ont dit toujours les mamblams. Ils disent dans ta famille, on ne verra pas un ministre. Mais je ne suis pas concerné. Je ne suis pas concerné. Non, je ne suis pas concerné. Je ne suis pas concerné. Ah, je ne suis pas concerné. 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 Puisque tu n'es pas concerné, voilà pourquoi tu vas voyager. Je ne suis pas concerné. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Midi chez nous. Notre invité Béranger Boyi est installé. Il est le président de l'AUCI, l'Association des usagers d'Internet de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler de l'Internet des objets. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour Caroline. Ça va? Oui, je suis vivant, je me porte bien par la grâce de Dieu, quoique un peu sonné. J'imagine, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Oh. Alors, l'Internet des objets, qu'est-ce que c'est? Oh, déjà que nous avons à long et à travers, en fait, parler de l'Internet, nous savons ce que c'est aujourd'hui qu'Internet, mais bon, on va un peu rappeler. On sait que nous, en tant qu'usagers, en tant que personnes, nous nous connectons à Internet. Donc, nous allons sur Internet pour envoyer ou recevoir des données, que ce soit des emails, des petits messages que nous envoyons, des vidéos que nous visionnons, etc., etc. Mais on imagine encore mal que des objets donc, de la vie quotidienne soient connectés à Internet. Donc, du coup, il y a une certaine psychose qui s'empare des gens parce que déjà, c'est des projets qui font l'objet de beaucoup d'études et qui sont déjà en expérimentation. C'est encore... Ah, d'accord. D'accord. C'est déjà la phase expérimentale. Phase expérimentale, mais effective, puisqu'il y a des objets connectés qui se vendent. Vous voyez? Et d'ailleurs, ce qu'on appelle la domotique, qui est, on va dire, la science qui permet donc d'imaginer tout un tas de concepts de connexion, donc des maisons, c'est-à-dire une télévision connectée, un frigo connecté, un fer à repasser connecté, tous les objets que vous pouvez imaginer, donc, qui sont connectés à Internet et qui peuvent marcher de façon autonome. Donc, après, bien sûr, qu'on leur ait donné un certain nombre d'instructions. Ça va donner quoi, ça? Se faire un repasser connecté qui fonctionne de façon autonome, j'imagine. Ça va donner ta belle robe, baisser sur une table, et à une certaine heure, le fer à repasser qui se met en marche seul et qui passe donc la robe et qui s'arrête à un moment donné quand il estime que la robe est bien repassée. Je me demande si dans 20 ans ou dans 30 ans, si l'homme, en tant qu'être humain, l'homme avec un A sera encore indispensable. Oui, en fait, il y a quelqu'un qui donnait cette boutade-là. Avec cette technologie qui avance. Quelqu'un disait que dans 10 ou 15 ans, on aura de grosses usines avec de grosses machines et où il y a seulement deux êtres. Deux êtres, c'est-à-dire le gardien et le chien. Donc, le gardien qui est chargé de nourrir le chien, et le chien qui est chargé de faire en sorte de surveiller les gardiens pour ne pas qu'ils touchent aux machines. Mais en fait, à la réalité, vous voyez, toutes les innovations scientifiques qui se font ont un but principal a priori, c'est de faciliter le quotidien des usagers, des utilisateurs. Donc, comment faire en sorte que l'homme ne soit plus chaque jour en train de réfléchir à son agenda, ne soit plus chaque jour en train de regarder, par exemple, sur l'étiquette d'un yaourt ou d'un aliment dans son frigo pour savoir s'il est périmé ou pas. Donc, toutes les charges quotidiennes de l'homme sont en train d'être analysées et on fournit chaque jour des outils, des logiciels, des applications, des machines qui puissent permettre donc de faciliter cette tâche-là. Et c'est un peu le volet dans lequel s'insère donc ce qu'on appelle donc l'Internet des objets. C'est un monde, un système dans lequel les objets donc du quotidien, tout ce qu'on peut imaginer comme télévision, appareil, photo, envoient des données, des informations sur nos usages, sur notre façon d'utiliser ces appareils-là. Et en retour, donc, ces techniciens ou bien, ceux qui ont fabriqué ces appareils-là, donc, ramènent, en fonction des données que nous avons envoyées, ramènent donc des informations, soit pour améliorer l'usage de ces objets-là, soit pour améliorer aussi notre utilisation donc, de ces différents appareils que nous avons à la maison. Bien sûr, ça suscite beaucoup d'inquiétudes. Beaucoup d'inquiétudes parce qu'on se dit que si...
ces appareils deviennent tout à coup, je n'ai pas dit brusquement soudain, autonome, qu'est-ce qui pourrait nous arriver? On a regardé des films de science-fiction où on regarde, par exemple, on se rappelle iRobot, donc avec Will Smith, où une grosse machine donc, prend le contrôle de la ville, où les hommes... Donc... Est-ce que l'objectif de ces films de science-fiction, là, je veux dire, c'est pas déjà de nous préparer à ce qui est prévu à l'avenir? Si, et on va dire qu'il y a ce que les anciens Grecs appellent le médicon, c'est-à-dire un médicament, mais aussi qui peut être un poison. Donc, il est bon de prévenir pour que ceux qui fabriquent ce genre d'outils, qui créent ce genre d'applications, hein, puissent faire attention et mettre des pare-feux, des garde-fous, de manière à ce que, soit un hacker ou un individu mal intentionné ne s'empare pas de ces systèmes-là. Parce que ça, c'est aussi c'est un risque au niveau de la sécurité. Quelqu'un pourrait donc prendre le contrôle d'une maison entièrement connectée et puis donner des instructions donc à une télévision, à une machine, etc. Et qui pourrait donc, bien sûr, nuire à l'usager. Imaginez un peu qu'on mette à distance, en marche, votre gaz et qu'on allume directement le gaz. Imaginez ce qui peut en résulter. Donc, c'est là l'un des, on va dire, des principaux risques que les techniciens sont, auxquels les techniciens sont en train de faire face. Sinon, déjà, il existe donc déjà des voitures qui sont autonomes. Et quand on dit voiture est-ce autonome... Est-ce que ça peut... Je veux dire, des voitures autonomes, oui, mais est-ce que ça réduit les risques d'accident? Oui, pourquoi? Parce que en fait, quand on parle d'objets connectés, on parle donc d'envoi de données et de réception de données. Donc, ces voitures-là... Quel genre de données ça envoie et quel genre de données on reçoit? Sur, par exemple, les obstacles qu'il y a devant le véhicule. Okay. Donc, il y a des systèmes déjà qui existent entre véhicule et véhicule et entre véhicule et piéton. Ou par exemple, la voiture donc, repère donc, un piéton, voit, calcule la distance qu'il y a entre elle et le piéton, calcule la vitesse du véhicule et calcule la vitesse probable d'impact. Donc, elle peut permettre donc, soit de ralentir le véhicule ou de stopper net le véhicule. Ça, c'est des systèmes déjà qui existent et qui sont, on va dire, déjà en phase pilote, qui sont expérimentés. Il y a aussi, par exemple, imaginez... Ou peut-être qu'on a des voies. On pourra, je pense, la semaine prochaine, envoyer des vidéos pour permettre aux gens d'avoir une idée assez claire de ce dont on parle. C'est par exemple l'exemple tout bête, tout banal d'une brosse à dents donc connectée que nous utilisons pour nous brosser et qui emmène des informations au dentiste pour lui dire « Mais attention, celui qui m'utilise commence à avoir peut-être des tasses mais à les dents qui jaunissent. » Donc, on va lui proposer une pâte dentifrice spécifique donc on va dire à l'affection qu'il commence à avoir sur les gencives ou bien sur la dent. C'est par exemple... un flacon de médicaments, et ça, je l'ai vu de façon expérimentale, un pot de médicaments donc, qui dit à son usager, à un moment précis, à quelle heure, en fait, qu'il est l'heure de prendre le médicament, et qui signale au pharmacien que le médicament est en train de finir. Donc, le pharmacien, en retour, qui est connecté donc, à l'application, ramène, contacte donc, le patient pour lui dire que son médicament est en train de finir, il faut qu'il prenne donc, de nouveaux flacons. C'est aussi l'exemple d'un frigo donc, connecté, dans lequel il y a un type, donc il y a plusieurs aliments, donc que ce soit la boisson, la nourriture, etc. Donc le frigo, lui seul, de façon autonome, donc avec l'application donc, embarquée à l'intérieur, donc contrôle les stocks d'aliments qu'il y a dedans et vous ramène donc sur votre téléphone pour vous dire il vous reste deux pots de yaourt, les œufs, bon pardon, la boîte de lait est en train d'être périmée, donc il faut changer, etc. Donc imaginez un peu pour faciliter, on va dire, le quotidien des gens, parce qu'on n'a pas tout le temps de regarder sur les plaquettes, sur des pots de yaourt, sur la viande qui est dans le frigo, etc., etc. Mais nous, ici, en Côte d'Ivoire, en Afrique, on est encore loin. Donc, ça nous permet quand même de pallier le problème de temps qu'on n'a pas. Oui, parce que réellement, on n'a pas le temps. Et on n'a pas le temps pour réfléchir à toutes ces choses. On ne sait pas forcément à quelle heure, en fait, quels sont les différents rendez-vous qu'on a. Il y en a qui ont le luxe d'avoir des secrétaires qui jouent le rôle de mémoire pour eux. Aujourd'hui, bien sûr, mais la plupart du temps, c'est lié à la mauvaise organisation. Oui, aujourd'hui, les smartphones nous permettent donc d'avoir des agendas. Donc, d'organiser notre agenda, d'organiser notre quotidien, notre vie de tous les jours. Et même si le téléphone est plus simple, il suffit simplement de regarder, de savoir l'utiliser. Il y a des calendriers, il y a un agenda dedans. Donc, on peut planifier les différentes tâches que nous avons. Et donc, ça, c'est possible. Et aujourd'hui, donc, beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes, beaucoup de sociétés en Europe commencent progressivement à, on va dire, se lancer donc, dans des objets connectés. Et nous, ici, il est bon que nous sachions donc, ce que c'est que les objets connectés et pour que nous soyons mieux préparés donc, à recevoir ce type d'outils-là lorsque nous serons donc, en train de les utiliser, lorsque nous serons amenés à les utiliser ici. Bien sûr, il y a le risque de violation de l'intimité. On se pose encore la question de qu'est-ce qu'on fera avec les données donc, personnelles qui sont récoltées. Parce que si j'utilise une montre qui vous amène donc, mon rythme cardiaque, mes impulsions, etc., etc., qu'est-ce que vous en faites?
Donc, il y a tous ces dangers, tous ces risques qui sont attachés donc, à l'utilisation de ces objets-là. Et la suite, M. Béranger-Bouy, ça sera donc pour le lundi prochain. On aura des images, on aura des vidéos. Oui. Et on ira plus en profondeur oui, pour si, en savoir si vous permettez, davantage. Rapidement, je souhaite donc, je veux souhaiter donc premier établissement à Monsieur OPK. Je vais donner donc les, c'est l'initial pour ne pas que ça fasse de ceux donc qui présentement est en rétablissement quelque part. Je voudrais aussi saluer Monsieur Kwame Joseph et dire que le vendredi donc 16 mai à partir de 9h, nous serons donc au Collège Moderne du Plateau pour une conférence sur comment tirer profit d'Internet pour une formation professionnelle réussie. Merci beaucoup, Béranger, de nous avoir donné votre actualité. Et merci surtout d'être venu sur ce plateau, Monsieur Bouy, pour parler de l'Internet des objets. On vous souhaite de passer une agréable journée. Je merci. Rappelle qu'il est le président de l'AUCI, l'Association des usagers d'Internet de Côte d'Ivoire. Félicitations pour le mariage de Gogwa Guy Donal et Madame Dobré Rita pour leur mariage de la part de Boga Richard, notre collaborateur. Et nous le faisons avec cette vidéo de Ramsus. On se retrouve dans quelques instants avec nos invités. On a pris des coups, bah ouais, depuis qu'on est là. On a reçu tellement de claques, depuis qu'on est là. On a pris des coups, bah ouais, depuis qu'on est là. On a versé tellement de larmes. Je trace ma route.